Au nombre de 66, ces réfugiés faisaient partie des 3000 qui étaient jusqu'à ce jour sur le sol togolais. Comme tous les autres convois qui sont arrivés depuis la fin de la crise post-électorale, les passagers du convoi de ce jeudi 19 septembre ont été reçus au bureau du Sahara, service d'assistance et d'aide aux réfugiés et apatrides. Plus d'une trentaine de sacs de riz leur ont été offerts par le Programme national de cohésion sociale, PNCS. Ce geste est salué par le coordonnateur national du Sahara, Zouambi Nestor, et le porte-parole des réfugiés du convoi. Outre ces sacs de riz, les réfugiés bénéficieront de l'assistance de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité. Nous avons des potentialités dont nous disposons. Et naturellement, il faut que nous arrivions à soulager, un tant soit peu, donc aux préoccupations de nos frères. Nous disposons d'un centre d'accueil et en d'autres, d'une capacité de 50 lits. Il y a la formation qualifiante que nous faisons et puis il y a la formation diplomate également. Nous avons donc des attestations de formation. Rappelons que ce programme de rapatriement et de réintégration des Ivoiriens réfugiés dans les pays de la sous-région est né de la volonté du gouvernement ivoirien de rassembler les Ivoiriens pour reconstruire le pays. Cette volonté du gouvernement est appuyée par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Les réfugiés reçoivent à leur arrivée chacun une enveloppe de 75 000 francs CFA pour faciliter leur intégration sociale.